C'est le premier jour du tournage du film Passive Smoker. L'équipe est très excitée, mais aussi très nerveuse. Personne n'a jamais travaillé sur un film en anglais. La réalisatrice, Karen Chain, a longtemps voulu faire un film en anglais. Mais son grand-père, Russell, le lui en a interdit, menaçant de jeter un sort sur ses prochains films. Elle espère du moins que ce film ne sera pas maudit. Elle dit que Russell est au championnat national d'origami, ou l'art japonais du papier plié, en Chichilia. Il n'est pas au courant du tournage. Karine n'aime pas les gens qui jouent avec des morceaux de papier. Elle n'aime pas non plus les gens qui prennent des photos sur le tournage. Ce que Karine aime, ce sont les prises avec fondu. L'équipe du tournage n'est pas au courant des malédictions de grand-père de Karine. Ils ont l'habitude des problèmes qui arrivent lors d'un tournage de court-métrage. Le producteur du film est Michael Noonan. Il pense que tout se déroule à merveille. Michael, lui, aime les films avec des lumières qui s'allument et s'éteignent mystérieusement. Il aime aussi avoir des acteurs avec un turban sur la tête. Ce que Michael n'aime pas, c'est d'être constamment entouré par l'équipe du tournage. Avant de commencer le film, Karine dit à Michael qu'elle ne veut pas d'acteur avec un turban sur la tête. Elle dit aussi qu'elle veut que tout le monde parle anglais sur le plateau. Cela facilite la tâche des acteurs. L'équipe a du mal à se faire aux règles, ne sachant pas s'exprimer. Mais très vite, ils se familiarisent avec la nouvelle langue et la pratiquent régulièrement. Responsable des décors, Nathalie Beck, et son assistante Alicia DeMarco deviennent très vite à l'aise avec la langue. Elle s'entraîne même pendant les prises. Claire Sibian, auteure du scénario, est très soucieuse de son travail. Elle demande régulièrement aux membres de l'équipe si elles l'ont lu. Alicia, elle, ne l'a pas lu. Elle préfère raconter à Claire que ses cheveux ont pris feu lorsque son sèche-cheveux a brûlé. Le directeur de la photographie est Linton Vivian. Lui, ce qu'il aime, c'est coller des bandes adhésives de couleurs dans des endroits amusants. Parfois, il prétend même avoir de la barbe. Souvent, entre deux prises, il encourage son équipe à faire de même. Ça les amuse. Le gaffeur, Dan Schist, aime jouer avec des lapins en peluche lorsqu'il a un moment à lui. Il les trouve jolis et très doux. Linton aime les histoires de Dan sur les différents matériaux du monde. Catherine Beck joue le rôle de Beth dans le film.
Elle n'apprécie pas qu'Adrien Pudlik, son partenaire à l'écran, lui envoie de la fumée sur le visage. Elle est aussi ennuyée que ses bracelets puissent agacer le responsable du son. Paul Finlay, chargé du son, dit que ses bracelets ne le gênent pas, mais il déteste les rocking chairs. L'équipe est allée à Carina pour le deuxième jour du tournage. Michael a remarqué une coccinelle sur le rebord de la fenêtre. Il est cloué sur place comme subjugué. En cet instant, il ne peut s'occuper de personne. Paul raconte qu'une fois, il est resté immobile à écouter le son de l'eau qui coule. Paul aime beaucoup parler avec ses mains. Mais il est toujours concentré lorsque le réalisateur entre dans la pièce. Kate Henry joue le rôle de Martha dans le film. Elle rit en voyant la fausse barbe de Linton. Par contre, elle n'apprécie pas les gens qui dessinent son portrait. J.C. Fugard est responsable de la continuité. Il a dessiné le portrait de Kate. Le tournage a pris du retard. Michael a rejoint l'équipe. Karine refuse de lui parler. Elle n'a pas encore oublié l'épisode de la coccinelle et ça l'énerve. Dans la pièce à côté, le premier assistant du directeur, Fed, Félix Berthaud, a les choses bien en main. Fed, bizarrement, a peur de vomir un jour sur un plateau. Il aime parler dans son talkie-walkie, même s'il ne marche pas. Il n'aime pas, par contre, avoir dans le couloir quelqu'un à côté de lui. C'est le troisième jour du tournage et l'équipe de Linton l'a abandonné. L'équipe chargée des décors est occupée à rechercher des costumes pour la prochaine prise. Les principaux responsables de la création travaillent dur. Mais tout le monde est sur les nerfs. La production a de plus en plus de retard. Linton essaie de détendre l'atmosphère avec un spectacle de marionnettes improvisées. Mais ce spectacle est de qualité médiocre. Fed, enfin, annonce la fin du tournage pour la journée et se dirige directement vers le frigidaire. L'équipe est un petit peu plus enthousiaste à commencer à midi le quatrième jour. Nathalie Beck craint d'avoir pris trop de caféine. Elle pense qu'elle pourrait devenir trop excitée à tout moment. Nathalie aime les hommes qui installent des portes sur leurs emplacements. Elle aime aussi le clic-clac des talons hauts sur le parquet. Elle n'apprécie pas les gens qui font des spectacles d'ombre chinoise. Et elle devient toute rouge lorsque des hommes à casquette de baseball la regardent. La production démarre à 2h de l'après-midi. Dans la pièce à côté, Fed évoque une plaisanterie qu'il vient de faire. Il a envoyé des membres de la production
au mauvais endroit. Certains sont allés ces deux derniers jours sur un plateau du café. Sans supervision, sans film. Fed met Michael au courant. Celui-ci n'apprécie pas vraiment. Il aurait préféré que Fed les envoie beaucoup plus loin. Ça aurait été plus amusant. Linton entend parler de la plaisanterie. Il n'est pas très impressionné. Il comprend maintenant pourquoi il a dû travailler seul. Ça n'amuse pas Karine non plus. Michael déclare qu'il aurait aimé avoir eu l'idée lui-même. Et il présente alors, à Fed et Linton, une autre idée pour une nouvelle farce. Il veut envoyer la maquilleuse et l'un des acteurs sur un faux plateau. Fed et Linton trouvent cette idée vraiment amusante. Christine et Adrien n'ont pas réalisé qu'ils sont sur un faux plateau. Ils se sont installés dans le jardin d'une propriété et se préparent pour le tournage, qui n'aura pas lieu. De retour sur le lieu du tournage, Karine et Michael ont trouvé une grosse valise verte dans le couloir. Ils ont beau la regarder, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle contient. Peu de temps après, tout le monde vient voir la valise. Au même moment, la propriétaire du faux plateau a trouvé Christine et Adrien. Elle les accuse d'être rentrée chez elle sans permission et menace d'appeler la police. Mais elle est prête à passer l'éponge si elle obtient un rôle dans le film. Le tournage continue à Karina. J.C. Fugard et Paul Knox, le runner, prennent un moment pour échanger sur une procédure. Dans un épisode d'Extreme Makeover. Linton n'a pas vu cet épisode et demande à Paul de le lui raconter. Le dernier jour du tournage se passe à la gare de Roma Street. Linton raconte à Karine qu'il a déjà voyagé à l'avant d'un train avec le conducteur. Karine est impressionnée, mais retourne très vite à son travail. La deuxième assistante du réalisateur, Lauren Cooper, prévient les figurants que la prise doit être très rapide. Et il y a de fortes chances pour qu'ils soient poussés sur les rails à l'arrivée du train. Ça n'a pas l'air de les gêner. Adrien est de retour sur le bon plateau, mais très déshydraté. Un bébé sur un autre quai fait trop de bruit et a été prié de quitter les lieux.
Tout le monde est très content de le voir partir. Le caméraman du documentaire, Patrick Clair, a été appelé pour calmer certains figurants. Ils ont peur pour leur sécurité et ne veulent pas mourir. En fait, comme il s'agit de membres de sa propre famille, il arrive à les convaincre de rester. Même s'il sait qu'ils sont en danger. La dernière prise du film est très dangereuse à réaliser, surtout dans les escalators. Mais personne n'a été blessé. Et tout le monde est heureux.